Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 5, donc pour l'épisode 52. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait été faire un petit tour dans le devant une grande télé à l'extérieur pour apprendre la nouvelle qu'un certain Fujita. J'ai un fucking doute là du coup. Est-ce qu'il est dans la liste des caractères? Ah, c'est bon. J'ai un doute. Donc un certain Fujita qui avait été qui avait aussi pris en fait comme à l'époque que Tatsuo. D'ailleurs, on a eu un peu plus d'infos là-dessus que on était tombé soi-disant pour tricherie en fait, sauf qu'ils ont jamais pu le prouver. Fujita apparemment a aussi pris tout sur lui puisque Fujita en fait à l'époque c'était le manager des Wyverns. Et du coup, il est tombé en même temps que nous, et apparemment, là, il fait plus ou moins son grand retour, mais en devenant le manager des Tokyo Gigants, donc l'équipe adverse des Wyverns. Donc voilà, c'est ça qui est bien, en plus, il y a toujours les résumés des persos quand on vient là-dessus. Donc là, il le précise, hein, voilà, c'était le manager des Nagoya Wyverns quand Shinada était, s'est fait attraper pour cette histoire de scandale. Ce qui s'est passé, quoi. Donc du coup, il est en dehors du baseball, tout ça, depuis, et voilà, il vient de rapidement annoncer que il devenait le nouveau manager des Jaguars. C'est ce qui était marqué. Tout simplement. Donc voilà, donc on s'est arrêté là au niveau du scénario. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Bah du coup, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec les gens qui disait que c'était une honte qu'il revienne justement dans le monde professionnel du baseball après ce qu'il avait fait. Et on s'est fait tabasser la gueule pour ça. Et après, Miki nous a appelé pour nous dire qu'elle nous attendait au Futomomo Club sur le toit. Et voilà, entre guillemets, ce qui est pour de l'histoire. Et sinon, on a fait un petit peu de secondaire. On a vu une certaine Miyu, je crois qu'elle s'appelait. C'est une masseuse dans un salon de massage. Et apparemment, en fait, elle faisait des heures supplémentaires à s'en rendre malade, en fait, pour éponger les dettes de son petit copain, qui lui avait promis mondes et merveilles, en gros, sauf qu'au final, c'était un enculé, et il voulait se marier avec une autre fille, je sais plus comment elle s'appelait, l'autre fille. Et il profitait d'elle, en fait, pour se faire un max de blé, quoi, donc, du coup, elle a découvert le poteau rose, et puis voilà, on a quand même aussi, on lui a quand même rendu service, au final. Donc voilà, c'est cool qu'il est sur la télé. Hein. Ah, c'est une capuche. Je croyais que c'était un costume, truc. On va lui casser la gueule. Niveau 7 déjà, putain, ça monte vite avec Shinada. On va monter au niveau 10 en a rien de temps. Hein. Alors du coup, cette fameuse Miyu nous a donné une récompense, puis elle a dit qu'elle nous ferait une... Comment dire? Je sais plus ce qu'elle avait dit, un truc spécial... Je sais plus c'est quoi le terme. On va dire une formule spéciale la prochaine fois qu'on viendra au salon de massage. Donc c'est plutôt bon à savoir. Je sais pas lequel c'est, par contre je sais plus s'il avait précisé. On aura peut-être l'occasion de voir ça. Voilà, petit orineur. Alors est-ce que j'ai des soucis de vie? Parce que j'ai pas grand chose du coup à consommer. Donc, je vous rappelle aussi, ah oui c'est vrai qu'on avait fait ça, on avait été accosté par un mec devant chez nous.
qui voulait se venger de nous en fait d'un truc qu'on a fait au lycée il y a 20 ans en arrière, soi-disant qu'en gros, de ce que j'ai compris, parce que la traduction c'était un peu le bordel à ce moment-là, qu'on jouait trop individuel et en fait qu'on a fait une technique particulière qui jouait en défaveur, je pense, et c'était juste pour montrer qu'on avait du skill en gros en tant que batteur. Pour essayer de rejoindre le monde professionnel, se faire remarquer par les professionnels, on va dire. Et du coup, il veut se venger de ça, sauf que quand il nous a affrontés, c'était pas terrible ce qu'il faisait. Donc il a dit qu'il allait revenir. Et il y en a un autre qui voulait nous buter, carrément en profitant de ce premier mec-là qui voulait se venger. En fait, il croyait que le mec qui voulait se venger allait nous tuer, mais en fait, non. Il voulait juste se venger, mais en termes de baseball, on va dire. Et finalement, ce mec-là, on a appris qu'il était derrière la magouille de la fausse batte de baseball d'un grand joueur qu'on avait fait 2 vidéos en arrière, je crois. Donc, du coup, à cause de nous, en gros, il a pas gagné l'oseille qu'il devait avoir. Et il s'est fait chier à mettre toute cette arnaque en place pour rien, puisqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Donc, il veut nous faire payer tout ça, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, sinon, Miyu, elle nous a offert ça. Donc c'est une branche de cerisier apparemment. Mais je sais pas à quoi ça peut servir. Cette belle branche a un étrange pouvoir. Pour celui qui la libère en gros. Enfin pour qui celui qui le libère plutôt. Peut-être que vous pouvez l'utiliser pour quelque chose. Ouais. Mais je ne sais pas quoi pour l'instant en tout cas. Et donc ouais, pour finir cette histoire, après il y a un autre mec qui s'est pointé. En fait, on les a tous. C'est tous des anciens entre guillemets qu'on connaissait par le passé. C'était notre coach de l'époque quand on était au lycée, qui veut nous entraîner en fait pour le baseball. Et dans un premier temps, il nous a dit d'aller pêcher. Et il nous a offert justement un verre spécial pour qu'on arrive à pêcher. Voilà, ça fait partie de l'entraînement en fait. Voilà, il nous a expliqué pourquoi on devait pêcher, mais je referai pas l'histoire, mais voilà. Donc, de ce côté-là, on est bon en termes de résumé. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vais aller en face. Comme ça, on va visiter un petit peu tout ça, parce que du coup, toute cette grande zone sur la map, on voit qu'il y a quelque chose. Par ici, quoi. Mais, on sait pas trop ce qu'il y a. On y était plus ou moins, je crois qu'on était par là, non? Ça devait être le... Je crois que c'est le parc ici, il me semble. Mais là, vous voyez qu'il y a une grande installation. On voit un petit peu d'ailleurs ici. Une espèce de tour. Donc on va aller visiter un petit peu tout ça, découvrir un petit peu ce que nous réserve la ville. Et puis faire quelques quêtes secondaires au passage. Notamment pêcher. Une sacrée dégaine, lui. Apparemment, c'est que des gangs ici, il n'y a pas de yakuza. Hein. C'est pareil, ça fait partie de l'histoire en gros. Il y aurait une histoire d'une famille Nagoya, mais qui ne sont pas visibles en fait. On ne sait pas qui c'est. Ils n'ont pas de présence comme dans les autres grandes villes où tu sais direct que tu as affaire à des yakuza en gros. Donc on en apprendra peut-être plus tard aussi. Peut-être me remettre à main nue parce que là je suis un peu en galérance mine de rien. Voilà. Le problème c'est qu'avec cette arme là pour l'instant elle fait toujours le même coup. Donc c'est un peu redondant visuellement déjà. Et surtout qu'il est pas hyper efficace en plus. À part quand on est en mode chef bien sûr, mais bon. Là j'ai envie de dire toute attaque de mode chef de toute façon est efficace quoi. Quelle qu'elle soit quoi. Bon, j'aimerais bien avoir du soin par contre, parce que les tauriners c'est bien pour la fièvre, mais voilà quoi. Alors on voit un petit peu ce que c'est, ça ressemble à une espèce de tour Eiffel. Donc c'est assez sympa. Donc je crois que ce bâtiment existe réellement aussi, hein, il me semble. Donc on peut en faire le tour. Mais ici on était venu marcher, si vous vous rappelez, avec la conversation avec Uno, c'est là qu'on avait été. Là, il y a des racailles ici, je pense que... Elles vont nous chercher la merde. Wesh les bros, comment ça se passe?
C'est bon, c'est parce que l'écran du PC se mettait en veille, c'est pour ça. Et on gagne merde, un briquet modifié. Ça peut être pas mal. On lance flamme et tout, ça peut être drôle. Je vais l'équiper. Voilà. Donc ça c'est ok. Alors on va voir s'il n'y a pas de trucs. Il n'y a rien à collecter, c'est bien. Dans les souvenirs, j'ai rien de particulier, mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Encore des racailles, décidément. Voilà, bon, on va XP à fond en même temps. Ça permet de débloquer des nouveaux coups, ça serait bien. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de mur, du coup tu peux pas les plaquer contre les murs. Parce que ce truc là, quand tu le rentres dedans, ça devient vraiment efficace quand t'as un mur. Ah, petit tousness, ça fait plaisir. Pouvoir me soigner un petit peu quand même. Parce que là, c'est. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte quand même, mais j'ai zéro thune. Enfin, j'ai 17ème et je peux rien faire avec ça. Donc, le seul moyen de se soigner que j'ai actuellement, c'est de choper des objets sur les mecs. Je peux rien acheter, je peux pas aller au resto. Ah bah voilà, ça y est. Il m'a enfin balancé de l'oseille, 10 millièmes, c'est bon. J'ai rien dit. C'est bon, je suis riche. Pas 10 millièmes en vrai, c'est pas grand chose, mais pour Tatsuo, c'est bon, là, je suis riche. Ça valait le coup de les démonter, ces mecs-là. Voilà, les petites boutiques sympathiques, mais il n'y a rien à prendre, c'est bizarre quand même tout ça. Donc c'est là que la pêche se déroule, du coup. Alors normalement, on est bien sur ce côté-là. Ah non, c'est ici. D'accord. Ah bon, en fait, ok. Je pensais qu'en fait, le parc, moi, c'était ici, mais finalement, non, c'est tout ça. D'accord. Et là, il y a quoi? Nagoya Famous Banya. D'accord, c'est du fast-food du coin, ou des beignets, peut-être. Ah, peut-être, ça correspond. Ouais. Donc voilà, le fameux spot pour pêcher. Du coup, on va faire ça maintenant, vu qu'on y est. Alors, si c'est pareil que la pêche précédente qu'on a vue avec Haruka, ou encore Saejima... Ça va, ça devrait être facile, quoi. Donc, c'est parti. Enfin, il y a toujours cette histoire de jauge sur le côté, mais là, vu que c'est scripté à l'avance, que c'est pour la quête, ça sera pas compliqué. J'espère qu'on va pas pêcher un objet moisi, parce que... je sais pas pourquoi, mais je le sens avec Shinadin. Il
prend tellement tarif à chaque fois. Ça sera un peu triste. Déjà, ça mord pas des masses. Ça commence à grignoter. Ah, ça c'est nickel. C'est une de Carcoy, ça, non? Nishikigoy. Si, ça a l'air d'être une Carcoy, ça. Je pense. Mais avec des points rouges. Pêcher pour le dîner, petit trophée. Pas compliqué à avoir. Donc, ce qui veut dire que je l'avais techniquement pas fait, alors. Du coup, de mon côté. Puisque sinon, j'aurais pas débloqué le trophée, hein, parce que c'est sur le même compte. Vu qu'on peut faire plein de sauvegardes sur les Yakuza, je change jamais de compte sur le PSN, mais là c'est un peu différent. Par contre, là il y a des petits squares, je sais pas à quoi ça sert. À vue d'œil, il y a rien, mais ça va peut-être servir pour des quêtes secondaires. Bah, en tout cas, c'est sympa la petite ambiance nocturne ici, c'est vraiment cool, j'aime bien aussi. Hein. Je l'avais. Enfin, c'est un truc qui m'avait quand même marqué dans l'histoire de Shinada. Au niveau de sa vie, c'est que ce petit parc comme ça, avec des lumières comme ça, c'est toujours très sympa. Un petit sapin de Noël, là, il doit y avoir des galeries marchandes en contrebas, j'imagine. Alors, je regarde quand même de l'autre côté s'il n'y a rien à choper. Elle a l'air paumée, elle est... il se passe un truc ou... Ah non, c'est... Elle aussi, elle est paumée. Truc chelou. Bon, il y avait un mec qui voulait me casser la gueule, je sais pas où il est par contre. Je vois pas où il est en fait. Ah, c'est lui là-bas. C'est bien de m'insulter, mais ramène ta gueule aussi. Bim, là ils ont pris tarif. Ça marche bien sur les groupes, ça, cette tactique-là où ils rentrent dans tout le monde. Petit level up qui passe crème. Alors, est-ce que je débloque une nouvelle technique? Ça serait pas mal, ça. Après, j'ai peut-être en débloqué aussi du côté de son activité personnalisée, on va dire. Donc, ça permet de briser la garde ennemie avec certaines attaques, ça c'est cool, parce que je galère un peu à briser les gardes ennemies avec ce perso pour l'instant. Passe entre les jambes de l'ennemi après un météor taqueur et ça les envoie voler. D'accord. Et j'essaye. 500 yens. Ah, là tout de suite ils sont plus radins. Déjà, avoir 500 yens sur les autres persos, c'est rare. En général, c'est 1000 ou 2000 yens minimum. Donc ça, c'est pas du tout le même délire quoi. Petite musique de Noël encore. Donc le fameux sapin ultra high-tech quoi. Sympa. On peut pas aller de l'autre côté par contre. Ça rappelle un petit peu le sapin central d'ailleurs qu'il y a souvent dans la tour Millennium. Si vous vous souvenez, il y avait ça aussi. Vous n'avez pas forcément le même design exactement, bien sûr, mais le concept d'avoir un sympa géant dans une construction, je veux dire. Même si là, c'est vrai que c'est à ciel ouvert, donc c'est un petit peu différent. Et là, c'est pareil, il y a des petits sapins.
différentes couleurs. Et donc là, on arrive du coup au fast-food. Qu'est-ce qu'ils vendent du coup? Des beignets, Là, c'est c'est ça? annoncé. Chicken wings. Bon, ça, je vous dis pas ce que c'est. Hein. Vous savez tout ce que c'est dans les fast-food, même en France, il y en a. Shrimp tempura rice ball. D'accord, donc ça, c'est une boulette de riz avec l'algue autour et une crevette panée au milieu. Kishimen, c'est des nouilles dans un bouillon, je pense, un truc classique. Mais apparemment, il y a des saveurs bonito. Je crois bonito, c'est, ça doit être des crustacés, en tout cas, ça. Du coup, ça doit être un bouillon, pas à base de porc ou de poulet, comme on avait vu aussi pour Kazuma, mais un bouillon de crustacés, un truc comme ça, je pense. Et spaghetti avec de la sauce ankake. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas très cher. Donc on va peut-être s'en manger. Ah non, on peut les commander, d'accord. Écoute, j'ai tout commandé, comme ça je goûterai ça séparément. Et il m'a offert un drawing ticket. Je sais pas c'est quoi, un ticket pour participer à quelque chose peut-être. What? Putain, j'arrive à peine, je me fais violer quoi. Il dit que mes vêtements sont stylés, d'accord. Je sais pas s'ils sont plus stylés qu'un costard, mais bon, c'est sûr, ça fait bonhomme quoi, mais en termes de budget, je sais pas. Je suis pas convaincu en fait. Donc, ça, c'est le coup spécial que j'ai en débloqué. Blé. Le dos cassé. Par contre, ça nique toute la jauge de fer à chaque fois. Ah oui, ça c'est un autre coup que j'avais débloqué. Des coups de cul, pourquoi pas. Et du coup, ça le relève. Bon, là, vu qu'il avait plus de vie, il est retombé comme une merde. C'est marrant ça. Mais il a toujours des techniques complètement pétées, lui, hein, je vous l'avais dit. C'est l'outsider du game en termes de combat, c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant. C'est ça qui est l'essentiel, comme on dit. Du coup, je vais manger un petit truc, parce que là, je me fais harceler direct après avoir acheté quelque chose. Ah, ça soigne pas des masses par contre. Bon, c'est pas cher, mais fallait pas s'attendre non plus à des soins de folie. Putain, le mec il jouit quoi. Il en peut plus à chaque truc qu'il mange. En même temps, s'il mange jamais aussi le moindre truc, tu m'étonnes. Ah, hey Shinada! Oh salut! You see a guy that when you pay them. What? Ce truc de toute façon, c'est rien. Alors, prends l'un de ces trucs. D'accord, ok. Ah, bah, il va nous expliquer ce que c'est les drawing tickets que l'autre nous en a donné, mais je sais pas, c'est peut-être une loterie. C'est fait partie des choses de la communauté locale que la chambre des commerces fait. Ok, tu es supposé. Get some for sure. Ouais, tu es supposé en gros en avoir quand tu fais du shopping, ou tu manges dans les restos locaux. Et en obtenant ces tickets. Ah, on peut les dépenser pour acheter des trucs avec, non? Ou c'est des trucs de chance? Donc là, dit-il est touché par leur générosité. Enfin voilà, ok. Et quoi, c'est là que tu mets ton ticket? Vas-y, on va lui en donner un. Ah oui, ça fait tourner une roue, d'accord. On va voir ce que je vais gagner. Ah oui, c'est à moi de la tourner en plus. Okay. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une petite boule verte. Oh, dommage. Voici vos trucs de consolation. Ok. Bon, des mouchoirs de poche, ça démarre mal. Le ticket, là, c'est un peu de l'arnaque. On va essayer le deuxième. Encore une boule verte, putain.
Super, je vais pouvoir me branler deux fois. C'est cool, hein? C'est génial. Bah de rien, écoute. C'est cadeau, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui a brillé là par terre. On va voir ce que c'est. Victory Rock, Calificachem. Putain, ils vont venir nous faire chier avec ça aussi. Toujours pas compris le principe de ce délire. Bon, il a rien à me dire, lui, ça sera peut-être le suivant, j'imagine. Du coup, il y avait un truc qui brillait, c'était ici. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup? Ah, c'est un drawing ticket, d'accord, ok. Pourquoi pas. Bon, j'éviterai d'y aller à chaque fois pour tester. Ah, mais du coup, il va y en avoir partout dans la ville, si je comprends bien. Ça peut être cool. Donc ça, c'est... Ah, putain, décidément. Qu'est-ce qui se passe encore? Politicien. Ah, il est en campagne, j'imagine. Personne ne me prête attention. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, 2 minutes, garçon, je vais venir t'aider. Tu vas gagner ta présidentielle, c'est bon. Je suis là, mais 2 minutes. Alors là, vous voyez tout ce qu'il y a là? C'est une espèce de... Alors je sais plus si c'est un... Comment on appelle ça? Un... Si, je crois... Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est une espèce de stade, hein. Je sais plus. Parce que normalement, je crois qu'on peut même grimper en hauteur à un certain endroit. Déjà là, je regarde si ça brille un petit peu, s'il y a des choses à choper. Bon, ici, il n'y a rien du tout, clairement. C'est pas la joie. Oui, c'est là-bas, je crois qu'on peut... Attends. Non, mais c'est bizarre, il me semblait qu'il y avait un escalier. Ah, c'est là alors. Ouais, je pensais qu'il y avait plusieurs passages. Par contre, celui-là, je l'avais pas vu briller avant. Ça se trouve, j'ai passé devant. Ah, il y en a un autre qui brille là-bas aussi. En tout cas, c'est sympa, les petites lumières violettes comme ça et tout, c'est stylé. Donc, on va déjà grimper sur celui-là, après, on va voir. Ça fait bizarre le sol. Ouais, ça bouge, mais quand tu cours, t'as l'impression qu'il bouge plus. Bon, là, ça bouge, mais j'étais tellement en vitesse constante qu'on croyait que la texture du sol ne bougeait pas en fait. Les carreaux au sol, ça c'est vraiment bizarre. Ça perturbe la vue. Je regarde sur les côtés s'il y a des trucs qui brillent. Il n'y avait pas quelque chose, hein. Donc là, ça doit être l'entrée dans le stade, je pense. Ce qui me semble que tout ça, c'est lié au stade. Dans mes souvenirs. Encore un drawing ticket. Encore un. Ça s'enchaîne. Bon, après, une fois que ça sera fait, en même temps, ça vous permet de voir les lieux, puis... Je fais une pierre deux coups, comme on dit. Et il y avait aussi ouais, ce passage en escalier qu'on a vu en bas. J'aurais pu prendre celui-là aussi, mais bon. Dans tous les cas, de toute façon, si on veut fouiller toutes les zones. Alors là, apparemment, il n'y a rien. C'est étrange. Je vois rien clignoter, donc on va dire qu'il n'y a rien. Et voilà, on est de nouveau en bas. Ici, il n'y avait rien, on est d'accord.
l'air d'être bon. Où est-ce que je suis pas allé encore? Bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour ici, non? Je vais aller voir ce que fait le mec là par terre. Ça doit être un SDF peut-être. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Oh quoi, Shinada? Oh, je te connais. Tu étais à mi-temps dans le bureau éditorial. Enfin, il devait au même, il devait travailler à l'endroit où travaille lui aussi. Emoji, c'est ça? Are you working? Tu travailles sur une histoire? Non, non. Quelle histoire? I'm starving. J'ai faim, je peux plus bouger. Ioni, d'énergie. J'ai juste bu une boisson énergétique depuis la dernière semaine. Et j'arrive pas à me tenir debout. Enfin bref, il crève la dalle, quoi. Je sais qu'on te paye pas, enfin qu'on te paye au lance-pied en gros, mais tu ne peux pas finir comme ça si t'as pas mangé. Je sais, hein. Tu dois toujours avoir quelque chose sur toi. Bon, attends ici, je vais trouver de la nourriture. Je pense que c'est le destin qui t'a ramené ici, Shinada. J'ai une requête. Hein, quoi? Juste au cas où ça arriverait, j'ai gardé ces 500 yens sur ma Trump card. Tu aurais dû les utiliser plus tôt. En gros, son orgueil fait que il n'accepte pas la charité, donc c'est pour ça qu'il en est arrivé là, quoi. Tu ferais mieux d'arrêter d'être orgueilleux, je pense. Non, c'est grâce à elle que je suis arrivé là, je pense. Quand j'étais gamin, j'étais très pauvre et attends, en gros, quand les fils de riches gardaient leurs cartes à jouer, j'imagine, parce qu'ils disent trading cards, mais j'imagine c'était des cartes à jouer. Ils lançaient partout du chocolat et enfin, je ne le ramassais pas pour le manger, quoi, en gros. Faut accepter la charité. Je sais pas trop, enfin, il est tellement fier qu'en gros, voilà. D'accord, c'est beaucoup. Écoute le reste. S'il te plaît, achète-moi le truc le plus cher. Enfin, la spécialité la plus chère de Nagoya. Que tu peux avec ces 500 yens. Si ça restaure beaucoup de vie, ça serait meilleur. Ok. Donc ça va être ma mission, trouver le truc le plus cher pour 500 yens. Pas pouvoir faire grand-chose, hein. Après, je trouve que là où j'avais été, là, c'était des spécialités, je pense. Genre les pâtes, ça devait pas être mal, je pense. Je pense que je peux tester ça. Bon, vas-y, viens me casser la gueule, toi. J'en profiterai pour ramasser les tickets derrière toi. Peut-être sortir mon bâton parce que là c'est un peu le cancer. Vu qu'il y en a 4 en plus. Ah, remarque mon bouclier. Pas mon bouclier, mais. Mon briquet modifié. Tiens, crame, ça va te calmer. Ah, ça l'a pas cramé. Et
Et ouais, ça les crame pas là. Ils passent à travers les flammes, c'est con. Bon, ça a pas l'air d'être ouf, je vais reprendre ma barre de fer. Niveau 8, bon, on se rapproche du 10e tout doucement. Ça devient un peu plus long quand même pour XP les compétences d'armes, mais bon, normal aussi. Hein. Dans un moment, c'est cheaté quand même. Parce qu'au début, ça se faisait tellement vite, je voyais le truc arriver en 2 secondes. Quoi. Comment ça la dégomme? Voilà. Tous NZ, bien. Alors du coup, il y avait un ticket ici, voilà. Et normalement, de toute façon, je crois que là-bas, j'y avais été, donc ça va. Par contre, on peut pas descendre, il me semble pas. Ouais. Bon, je vais essayer de voir les spaghettis, là. On va voir ce que ça donne. Parce que pour 500 yens, de toute façon, je peux pas acheter ma truc. Hein, donc... va falloir se contenter de peu. Donc, ah bah non, c'est même plus cher. Donc ça doit pas être ça, je pense. Je vais quand même prendre un truc de chaque, comme ça, rien que pour moi, au pire ça peut me servir à soigner. Et puis j'irai lui parler, pour voir si je peux quand même lui donner ou quoi, on verra. Et je vais aller parler à monsieur le politicien, qui semble être ignoré par tous. Hmm? Oh, mais si c'est pas Tatsu, hein? C'est moi, tu sais, du ramen chat choco. Oh, hey, bossman, je sais pas, chef, non, je sais pas. Je vous ai pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en campagne? Attendez, vous êtes devenu politicien? Oui, je suis. En tant qu'habitant de Kineisho, je pense que c'est le moment de rendre à la communauté, quoi. La récession a fait beaucoup de mal aux gens. Les politiciens ont besoin de prendre parti pour les pauvres et les malades, on va dire. Et comment dire, et mener entre guillemets leur communauté locale. Quoi. Je veux entrer dans la politique. Donc, je veux m'assurer que. La voix de ces petites gens soit entendue par par les chambres du qui ont du pouvoir. Alors je crois qu'il y a une petite petite tique qui brille derrière là. J'ai dû passer à côté. Donc là en gros il se rappelle même pas de quel genre d'homme c'est et il se rappelle même plus de son nom. Donc il s'appelle Shozo Matsukane. Donc il demande de voter lui quand l'élection arrivera. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été à Shachoko depuis un moment. Ça va, enfin vous avez laissé votre restaurant de ramen comme ça pour partir en campagne. Nos jeunes gars s'occupent de tout ça, en gros. Je peux... enfin, je peux me dédier, en gros, à l'élection. D'accord. Et vous allez faire un discours de rue, comme ça? J'essaye, mais tout le monde marche autour sans prêter attention, en gros. Dis Tatsu, what you be a shield for me. Tu restes debout et tu écoutes mon speech. Hein? Non merci. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Allez,
enfin accepte. Je vais essayer de rallier les gens pour qu'il y ait de l'intérêt, quoi. Mais si tout le monde m'ignore, je vais vite me décourager. Bah, c'est comme ça que ça se passe, les discours en pleine rue. Les gens autour se rassemblent si tu dis des choses inspirantes, quoi. Peut-être, mais je ne suis pas une célébrité ou quoi que ce soit. Les gens marchent autour sans prêter attention. Bah oui, alors. Tu n'es pas supposé hausser la voix et montrer que tu es passionné, enfin tout ça, quoi. Tu l'as dit, mais c'est dur, tu sais. Tu te sens terriblement mal, en gros, quand personne t'accorde un peu de temps dans sa journée. Si tu, en gros, tu te sens un peu seul, pourquoi ne pas arranger endorsement speech et pas un discours endorsement, je sais pas. Peut-être t'entraîner à faire des discours, en gros, ça serait peut-être, les gens remarqueraient peut-être plus. Attends, je vais taper parce que ça m'intrigue. Endorsement. Un discours de soutien. D'accord. Ok, je vois pas en quoi ça change grand-chose, mais bon, pourquoi pas. C'est une bonne idée, Tatsu. Je vais commencer à poser des questions autour maintenant. Merci. Ah, peut-être quoi, il veut des infos que les gens, enfin, les problèmes qu'ont les gens et du coup les soutenir dans ces soucis-là pour qu'ils dégainent, je sais pas. Ça m'a l'air d'être compliqué à comprendre, mais c'est pas grave. Alors, on peut pas y aller. Du coup, on va essayer de voir vite fait l'autre là. Je sais pas s'il va accepter, je pense pas, hein, mais bon. On tente quand même ça à côté. Alors. Est-ce que tu m'as trouvé de la nourriture? Je vais dire oui quand même. Je vais dire spaghetti, même si c'est plus cher, on va voir ce qu'il dit. Je peux pas accepter quelque chose au-dessus de 500 yens. Et apparemment, ouais, il s'y connaît dans la truc culinaire. Enfin, il écrivait là-dessus, donc il peut pas me la mettre à l'envers. Donc du coup, il attendra. Bon, normalement, je crois que les crevettes. Enfin, non, pas les crevettes, mais les chicken rings, c'était 350 yens, donc ça devrait le faire. On va pas me casser les couilles avec ça. Tiens, est-ce que ça ira? Tu me sauves la vie, merci. Ah, ça fait du bien. Attends, j'ai l'impression de revenir entre les morts, en gros. Content de l'entendre, mais... Enfin, tu peux m'expliquer, je pense. Non, je sais pas. Il y a une autre chose que... Bah, tiens, on aurait pu... Prends ça, ok. Ballon caoutchouc, pourquoi pas. Si tu as une tramcard ou quelque chose comme ça, tu devrais l'utiliser, enfin tu aurais dû l'utiliser depuis longtemps, tu aurais pu mourir quoi, mourir de faim même. Eh bien... D'accord, il est... Bon, il est chelou ce mec, hein. Il a un ego tellement démesuré qu'il aurait pu crever avec sa connerie. Mais bon. On a gagné de l'XP, c'est l'essentiel. Bon, on va peut-être pouvoir utiliser les tickets maintenant, là, vu que j'en ai pas mal. On va faire ça à la chaîne. Peut-être que je vais gagner des vrais trucs cette fois, ça serait bien. Allez, c'est parti. Ah, boule bleue, déjà, c'est bon signe, ça change de couleur. C'est quoi ça? Lighter wall? Ah d'accord, c'est un truc pour recharger les hippos en gros en essence. Bon pourquoi pas. Faut peut-être se revendre. Ou recharger mon briquet modifié peut-être.
Ah merde, c'est la verte. Foutu mouchoir. C'est quoi, c'est blanc, hein? Gravity, converteur de gravité, ouais. Enfin, convertisseur de gravité, pourquoi pas. On va mettre ça au coffre. Putain, décidément. Encore, putain, mais c'est la poisse. J'ai gagné deux trucs là, ça y est, c'est le drame. Maintenant, j'enchaîne les paquets de mouchoirs. Encore, lolilol. Je vais finir par croire que c'est une arnaque ce jeu, c'est pas possible. Bon, je spam la touche croix pour aller vite, hein. Ça me paraît peut-être un peu long, mais je fais de mon mieux. Mais ils auraient dû rendre ça plus rapide ce système-là. Bon, il m'en reste plus qu'une, on va voir ce que ça donne. Et encore des mouchetous. C'est bien. Ce sont de très bons prix. Je vais pouvoir ouvrir une boutique de... De... Merde, on va appeler ça de mouchoirs de poche. Donc, bah c'est bien. Alors, il y a quoi en face? Il y a un truc. Je vais aller voir. C'est apparemment, il y aura un truc. Mais c'est Kamiyama, ça, normalement. Attends, je regarde s'il n'y a pas de ticket au passage. Je vois rien briller. On peut y aller? Ah ouais. Pourtant on n'a pas fait connaissance, il est pas censé savoir qui c'est. Genre il rentre là-dedans comme si c'était un moulin quoi. Alors du coup on est la branche de Kineisho de Kamiyama Works. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc du coup c'est pas l'un des frères Kamiyama hein, puisque les deux autres ils sont déjà occupés ailleurs. Ou sinon ils auraient un autre jumeau, ça aurait pu être un running gag remarque, mais bon. Ça va peut-être le faire. Bon c'est déjà niveau 10, par contre je peux regarder si éventuellement je peux acheter un truc. Apparemment, pas grand chose. Peut-être. Ah non, on peut pas vendre, c'est juste investir en objet, c'est vrai. Produire une protection, peut-être. Bah après, j'ai pas de sous aussi, mais même ça, je peux pas le faire. Donc. Ou c'est parce que je suis plein, peut-être, aussi. C'est possible. Je sais pas. Faudrait que je vide déjà, parce que là, je déborde de partout, mais bon. Au pire, j'y retournerai à un autre moment. Vu que je sais où il est. Alors du coup, apparemment il y a une petite quête à faire ici. Tiens, on va voir l'enragé. Victory Road, d'accord. J'ai toujours la gueule éclatée, en vrai j'ai la bouche en sang, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est cosmétique. Level up, impec, 4 points, peut-être pouvoir débloquer un truc quand même. Ouais, j'échappe plus facilement à l'ennemi, je gagne plus d'expérience, pardon.
quand je fais des finish moves, je pense, avec une attaque d'objet. Ok. Pourquoi pas. Tout est bon à prendre. Ah bah ça y est, il va expliquer du coup. Voilà. Fameux Victory Road. Tout ça, on passe, on connaît. Chobei. Le fameux clone de Takaya Kuroda, je cherchais son nom. Bon, qu'est-ce qu'il a? Il veut que je lui ramasse ses conneries? Oh, Shinada! Vous êtes... En fait, tout le monde me connaît, c'est un truc de ouf. C'est abusé, quoi. Je travaille à mi-temps donc au bureau éditorial. Tu te rappelles pas que tu m'avais servi du thé quand on s'était rencontrés? Ah oui. Si tu le dis, bien sûr. Bref, c'est quoi l'histoire Pourquoi tu ramasses tout ça? L'un des éditeurs m'a donné un mémo écrit à la main. Et il m'a demandé de le réécrire, j'imagine, sur ordinateur et de le reformuler, quoi. J'étais en train de courir pour essayer de... Enfin, attends, oui, c'est vrai. Enfin, en gros, je me dépêchais pour essayer d'atteindre la deadline, quoi. Mais j'ai tout foiré. Et apparemment, elle a perdu le mémo. Et du coup, j'imagine chez qui il cherche, je sais pas. Est-ce que tu peux m'aider, Shinada? Tu peux voir si, si tu arrives à mettre... Ah, le mémo dans l'ordre, d'accord, ok. J'ai besoin de ton expertise, bien. D'accord. Je sais ce que tu veux, ça vaudra le coup. En gros, il veut une récompense. Donc, mémo manuscrit, donc c'est un rapport de trucs d'adultes, là, comme d'habitude. Et une fiction. Attends, une six. Attends, section. C'est un morceau d'une fiction, d'une série de fiction de l'éditeur. Une série de fiction. C'est un projet en gros de l'éditeur. Je sais pas trop comment vous traduire ça. Order, never going to run. Donc si c'est dans le mauvais ordre, bah il arrivera jamais à arriver au bout, quoi. C'est exactement ça, c'est pourquoi c'est de plus en plus un cauchemar. Bon, voyons voir le mémo que tu as fait tomber. Voici. D'accord, donc il va falloir choisir entre chaque choix pour avoir l'histoire cohérente. Donc là, voilà, il réécrit ce qui est écrit sur les papiers. Donc déjà, même si je suis pas très bon en anglais, quand tu dis que son cœur commence, je sais pas, à s'emballer par anticipation, je sais pas quoi, ça m'étonnerait que ça soit le début. Ensuite, upon entering, ça c'est une fois entré dans la salle, donc c'est clairement pas le début du mémo non plus. Et où? Ça pareil, le truc de la prostate, c'est pas possible. Donc moi, je pense que le premier, c'est le quatrième. Je suis arrivé dans le parloir juste avant que ça ferme. Et voilà, je pense que c'est ça le début. Donc, du coup... Ah ouais, puis du coup, faut remettre le reste dans l'ordre aussi. Donc attends. Time to give a repair commence. Bon déjà, clairement, c'est le 4 au début. Le problème, c'est que dans tous les choix, c'est le 4 aussi. Comme ça, ils m'ont bien baisé, même là-dessus. Déjà, ça parle de prostate, là, sur le troisième. Ça doit être clairement dans les derniers, ça. Ça peut pas être le deuxième. Donc, si c'est pas le deuxième, déjà, c'est pas le premier choix. Ça, c'est certain. Donc, après, 2 ou 1. On va voir. Une fois entré dans la pièce, ça, donc il y avait un peu de lumière, machin.
Je n'ai pas dit que j'étais un reporter, donc à jouer, ok. Donc ça peut être bien, et sinon le premier. Donc mon cœur, machin. J'ai paré ses avances. Ouais, moi je pense que c'est le 2. Hein. Je pense que c'est 4-2-1-3. Allez, on va essayer. Il n'y a pas de doute. Merci. Je savais qu'en demandant un rédacteur professionnel était la sage décision. Tu sais, mec, ok, c'est une fiction, machin. Oui, tiens. Ah, du coup, il y a la suite. Donc, alors, c'est délicieux, Toru, c'est tellement délicieux. Donc, c'est que des trucs un peu osés, hein, puisque c'est, je vous rappelle, c'est de la fiction. Enfin, c'est un peu des histoires érotiques, hein, finalement, parce que c'est justement, c'est du divertissement pour adultes, donc. C'est un peu zélé. Kaori a hésité pendant un moment, d'accord. Maintenant, dis-moi si c'est bon, n'est-ce pas? Putain, là, ça va être chaud, par contre. Parce que ça doit être la suite, du coup. Kaori a hésité pour un moment, mais je sais pas, elle avale. Elle avale, je sais pas quoi. Maintenant, dis-moi. Ah, là, c'est chaud, par contre. Brushing aside and misgiving, shingling snatching. Là, c'est pas évident. J'ai la petite idée avec Kaori, hésite au début, ou le dernier, mais ça, c'est peu importe pour maintenant. Ça serait peut-être en lien qui sort la prostate d'avant, je sais pas quoi. Donc, déjà, est-ce qu'il y a le 2 en premier? Non. Donc, déjà, j'étais sur la mauvaise piste. Bon, It Tastes Delicious. Est-ce que c'est bon, machin? Donc, le 3 est forcément avant le 1. Donc, bah, je pense que c'est ça. Attends, quoique le premier c'est bon aussi, 3. Ouais, le premier c'est bon aussi. Parce que sinon, 3, 2, le 2 Kaori hésite pendant un moment. Ah, remarque, si, ouais. Avant de répondre, elle hésite. Ça se tient, hein. Allez, je vais prendre celui-là, 3, 2, 1, 4. Voilà, je t'ai sauvé, tiens, prends ça. Ça va être encore la suite, non? Ah non, c'est bon, ok. Suspense. Est-ce que c'est bon, Shinada? Hey, tu étais rapide. Bon boulot. Alors. Oui, merci. J'ai montré le texte et il a accepté. Je suis un pro, tu sais. Mec, qui se la pète. Tu as prouvé que tu l'étais, c'est pas beaucoup, mais je peux pas faire plus. Merci. C'est tout ce que j'ai. Putain, 1 000 yens, quoi. C'est pas grand-chose. Donc, ok, bon bah c'était le bon choix, faut croire. Donc c'est parfait. Je suis devenu un pro en expertise de la langue anglaise. Donc c'est bien, on va s'arrêter ici du coup, parce que mine de rien, ça a pris pas mal de temps, cette connerie. Et donc je vais aller sauvegarder là-bas, vu que c'est à côté. Et puis voilà, en tout cas j'espère que bah, ça vous a plu. Bon, j'ai malheureusement pas pu vous traduire tous les petits mémos là parce que certaines fois je comprends pas trop, mais bon. Quand tu dis que ça avale, que ça parle de prostate et autres, bon. Voilà quoi, vous imaginez bien de quoi ça cause, j'imagine. Donc ça ira. Je laisse votre imagination faire le reste. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Vous devez avoir une imagination débordante sur le sujet. Donc ça m'inquiète pas. Bon, c'est long à sauvegarder par contre. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 53. Normalement, si j'ai pas de bêtises. Allez, à plus!